Le ministre des Transports a rencontré les responsables de l'entreprise indienne Ashok Leyland, spécialisée dans la construction de véhicules industriels et d'autobus. Leurs échanges ont porté sur l'implantation d'une chaîne d'assemblage de véhicules à Abidjan. Le projet vise à favoriser la création d'emplois et le rajeunissement du parc automobile ivoirien. Le projet concerne un peu plus de 1700 véhicules assemblés durant les 12 mois à venir. Je suis très très heureux que nous ayons fait ça. Ça va permettre de créer quelques centaines d'emplois en ce qui concerne donc la chaîne d'assemblage, baisser le coût donc de véhicules donc pour les Ivoiriens et nos compatriotes de la sous-région, mais également accélérer donc le rajeunissement donc du parc automobile ivoirien, puis une valeur ajoutée beaucoup plus importante, notamment pour donc les producteurs agricoles en ce qui concerne donc la question de pneumatique. Notons que c'est la deuxième chaîne d'assemblage après celle avec Iveco.